Eh bien, bonsoir les filles. Bonsoir Valérie. Alors ce soir, je reçois des femmes exceptionnelles. Marina Dugoire, conseillère en placement financier au conservateur. Vanessa Santos, qui n'habille que les hommes, de la boutique C'est l'homme. Lina Frédéric, gérante d'Opal Sécurité. Et Claire Le Guillochet, photographe, et qui a fait une formation de détective privé, qui a un diplôme d'état de détective privé. Ah là là, je vais bafouiller. Alors les filles, vous faites des métiers particuliers. Ce n'est pas difficile d'être une femme, Marina ? Bah écoutez, être une femme, c'est plus agréable que d'être un homme, je pense. On a quand même pas mal de chance, on a des atouts qu'ils n'ont pas. C'est vrai, ça, c'est vrai. Vanessa ? Moi, je vais rejoindre Marina également. Je trouve qu'être une femme, c'est une grâce particulière, dans le sens où on a plus de capacités de porter aussi bien les problèmes et d'affronter donc les choses. On est super, les femmes. Tout à fait. Tout à fait. Lina ? Ben, je rejoins également mes voisines, hein, c'est pareil. On a beaucoup plus d'atouts. Être une femme, c'est génial. On gère mieux les situations, donc non. C'est bien. Oui. Claire ? Oui, être une femme, c'est faire preuve de douceur et d'élégance. Et je trouve que c'est des qualités qu'on propre peut développer. Femmes. Voilà, exactement. Propre aux femmes. Ben, c'est bien. Bon, ben, vous êtes toutes contentes d'être des femmes. Contente, c'est bien. Alors tout de suite, nous allons voir le reportage de Patrick dans le bureau de Marina, un montage de Jorka, c'est tout de suite. Bonjour Marina, on est dans ton bureau, donc tu es une femme qui s'occupe de la finance. Comment t'es venue à cette activité ? Ben, en fait, c'est par rapport aux études. J'ai déjà fait des études de conseil en investissement financier. La conjoncture économique n'étant pas toujours évidente, j'ai fait pas mal de choses et au jour d'aujourd'hui, j'ai réussi à retrouver un emploi au niveau de ma branche. Alors, est-ce que les femmes sont économes ? Les femmes sont très très économes et elles s'organisent bien parce qu'elles arrivent quand même à gérer et pour leurs enfants, et pour leur garde-robe, et pour les petites choses en plus. Les petits à côté. Voilà, exactement. Alors justement, donc il y a des prêts justement pour les enfants ? Alors, c'est pas des prêts. Je pense que quand on est une femme organisée et toute femme est organisée, il faut quand même gérer au niveau des études de ses enfants, notamment mettre de l'argent bloqué. Il faut absolument bloquer parce que la vie n'est pas facile. Et au moins de bloquer, on est sûr qu'à 18 ans, nos enfants iront faire des études. Que ce soit des études de mécanicien ou des études d'ingénieur. Voilà, c'est mettre un petit peu d'argent de côté. Toujours. Pour leurs études. Exactement. Donc vraiment, tu as beaucoup de femmes qui viennent te voir. Et est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans la finance ? Pas beaucoup, hein ? Alors ça dépend à quel niveau, mais c'est vrai que les femmes ne réussissent pas forcément à tous les niveaux. C'est quand même pas évident de conjuguer le travail de la finance et celui de mère. Parce qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps au travail, c'est un travail chronophage. Tout à fait. Et alors, quels sont les Guadeloupéens, quels sont leurs placements préférés ? Alors, le placement préféré au niveau des Guadeloupéens, je pense que c'est un petit peu comme la plupart des Français, ça reste toujours l'assurance vie, puisque toujours insaisissable, toujours des droits de succession allégés, suivant la loi, etc. Et alors, vu la conjoncture, là, tu préconiserais quoi ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, là, pour quand même un peu garder l'argent de côté ? Alors, ce qui se passe, Valérie, c'est qu'il y a plusieurs types d'épargne. On ne peut pas dire « je mets tout sur l'assurance vie » ou « je mets tout sur le livret A », puisque chaque épargne va avoir un rôle. Oui, alors par exemple ? Il va falloir avoir une épargne pour, on dit une épargne de précaution. Si vous avez un coup dur ou quelque chose comme ça, il vous faut au minimum avoir vos 2 mois de salaire. Enfin, il y a quand même pas mal de petites choses à avoir. Plus une épargne pour le projet. Chaque personne va avoir un projet différent. Et à ne pas oublier, mais alors surtout ne pas oublier l'épargne retraite. Parce qu'à moins de vivre sur une île déserte, sans médias, sans rien, on sait très bien qu'on n'aura pas de retraite. Ou très peu. Ou très peu. Donc là, c'est un placement que les gens aiment beaucoup. C'est un placement que les gens aiment beaucoup et surtout sur lequel il faut vraiment qu'ils s'y intéressent. Alors, être une femme et travailler comme tu le fais, donc c'est difficile. Tout métier est difficile, je dirais. À partir du moment où on le fait avec plaisir, rien n'est difficile. Bon, tout à fait. Et alors, le rapport des hommes quand c'est une femme qui parle d'argent ? Alors, il y a toujours le côté séduction au départ. Je pense que ça reste humain. Mais une fois qu'on instaure une relation vraiment professionnelle, je n'ai plus ce souci-là.
Alors oui, alors ça, c'est un taux de rendement de fonds en euros à 375. Alors, c'est quoi tes petits camemberts, là? Alors effectivement, nous avons une assurance vie au sein du conservateur avec un fonds en euros à 3,75. C'est super, 3,75. Je dirais que c'est pas mal au jour d'aujourd'hui par la conjoncture. Donc effectivement, sur une assurance vie, on peut choisir plusieurs types d'investissements. Soit on est très prudent et on va choisir un investissement modéré exclusivement sur une petite fonds en euros qui va rapporter 3,75, mais ce qui est déjà pas mal. Ou alors on est plutôt dans une formule équilibrée avec une formule à 3,5 plus une formule qui nous permet de gagner un petit peu plus à recherche de rendement sans trop de risques. Puis le dernier quand même qui est la formule dynamique avec des très très forts rendements mais beaucoup plus de risques. Exactement. Évidemment. On n'a rien sans rien. Hein. Donc à chaque fois, oui, tu as ce genre de prospectus et tu remets ça à tes clients. Donc il y a plein de choses. Alors ça se résume pas que au prospectus, Valérie, puisque effectivement, comme je te l'ai expliqué en préambule, moi je suis quand même au départ conseil en investissement financier. Je me repose effectivement sur les supports du conservateur qui pour moi au jour d'aujourd'hui sont les meilleurs puisque depuis 1864, ah oui, ils existent. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très très ancien. Donc, c'est pour ça que je me sers du conservateur et de ces supports-là que je propose aux gens. Car au jour d'aujourd'hui, vu la conjoncture actuelle, on a peur un petit peu de tout. Là, c'est une société solide qui a fait ses preuves. Eh bien, super, merci. Merci à vous. Alors, les filles, pour vous, l'argent, ça sert à quoi ? Marina, là, on ne parle pas d'investissement, on parle l'argent comme ça en... Une partie pour mettre de côté. Toujours, toujours. Oui, toujours. Mais je pense qu'il faut se faire plaisir, on n'a qu'une vie aussi. Oui. Mais ne pas négliger l'argent de côté. Tu as raison. Vanessa ? À quoi sert l'argent ? C'est quoi pour toi l'argent et à quoi ça sert ? Je dirais que l'argent sert à être dépensé. C'est bien. C'est contradictoire avec ma voisine, mais l'argent sert à dépenser. Alors c'est vrai qu'il faut penser également à avoir l'épargne et puis à l'avenir des enfants, c'est une réalité. Mais je suis plus partisane de « il faut profiter ». Il faut profiter. Voilà. Et toi, Lina ? Moi, je pense qu'il faut épargner, mais j'adore dépenser. Donc, l'argent, c'est fait pour dépenser. C'est fait pour dépenser. Ah ouais, ouais. Et toi, Claire ? Pour ma part, l'argent sert à réaliser des projets et à avancer dans la vie. À le dépenser aussi. Aussi. À le dépenser aussi. Alors, je voudrais parler un petit peu de ton parcours. Je sais que tu as eu un ennui de santé... assez important. Est-ce que c'est pour ça que tu aimes tant la vie ? Ben, disons qu'on m'a effectivement annoncé une maladie très grave. On m'a soignée, j'ai eu de la chance, au stade 2. De ce fait, oui, j'ai vraiment la notion de la vie. Mon fils est né un an à peine après. Et c'est vrai que ça, avoir des enfants aussi, ça donne des ailes. C'est bien, super. Et pourquoi tu as choisi alors le conservateur ? Alors, c'est vrai que le conservateur n'est pas très connu à la base, mais il est reconnu dans tout ce qui est prêt spécialisé. Et c'est surtout parce qu'il existe depuis 1844. Au jour d'aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle, il vaut mieux se reposer sur un groupe solide. Oui. Que ce soit pour moi personnellement, parce que je ne vais pas faire ma commerçante sur mon groupe, mais même pour moi, on perd tous le travail, etc. On voit que ce n'est pas évident. Je suis dans un groupe solide et merci. Merci. Alors, est-ce que les femmes sont économes plus que les hommes ? Les femmes, comme le disent mes voisines de plateau, elles sont mères... ou autres. En tout cas, elles pensent à leurs projets, comme le dit Claire, etc. Mais on reste des femmes. On aime se faire plaisir. Des petites chaussures, des... Voilà. Oui, ça c'est... Ne jamais... Il y a un proverbe qui dit « pas mettre tes chapeaux, puis au côté tao ». Et j'aime beaucoup ce proverbe. C'est vrai, ça c'est bien ça. Alors, quel est le placement préféré, justement, des Guadeloupéens ? C'est souvent pour les études ? Alors, les études restent le placement primordial. Tout Guadeloupéen que je rencontre met de l'argent de côté pour son enfant. Parfois sur un mauvais support parce que pas bloqué, et on sait très bien qu'on va forcément chercher dans ce qui n'est pas bloqué. Mais les Guadeloupéens ne négligent vraiment pas ça du tout. Après, il reste quand même l'assurance vie, comme je disais dans le reportage, puisqu'avec une assurance vie, on peut atteindre la propriété beaucoup plus facilement qu'avec un PEL, tout en conservant son épargne. Tout à fait. Et en plus, elle est insaisissable. Elle reste insaisissable. On va la transmettre hors droit de succession jusqu'à 152 500 par ayant droit. Donc c'est quand même une c'est quand des épargnes. Beau... Ouais. Et alors, c'est vraiment un milieu d'hommes. Alors, comment te juge-t-il quand il voit une jolie fille comme toi qui arrive et qui parle d'argent ? En disant que c'est vrai qu'on est une part inférieure par rapport aux hommes. Maintenant, il y a effectivement d'autres femmes, mais je pense que c'est comme tout. Le physique, au départ, oui, ça y joue. Une fois qu'on a assis son professionnalisme et ses connaissances, je pense que le respect vient tout de suite, il n'y a pas de souci avec ça. Alors là, je vais te poser une question qui intéresse tout le monde. Quelles sont les prévisions, tu penses, pour la croissance ? Je ne vais pas faire de prévisions hasardeuses comme ont pu faire certains grands économistes et qu'ils se sont trompés.
Je vais rester sur mon leitmotiv et dire à tout le monde, Guadeloupéen, tout le monde, mettez de côté. On ne sait pas du tout de quoi demain est fait. On n'est pas dans une période dynamique. Je veux dire, on a tous la télévision chez soi, on écoute tous les informations. Continue à mettre de côté. Peut-être que demain tout sera rose, je l'espère. Ah bah oui, moi aussi j'espère. Alors quel est le placement phare donc en ce moment? Il y a un placement phare. Bon, tu nous parlais des études, des pré-études, de l'assurance vie. Il y a autre chose ou c'est vraiment... Tous les placements, en fait, il y a une chose que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'il ne faut pas faire un placement pour faire un placement. On fait un placement en fonction de son projet. Toi, oui, Valérie... de ses voilà, envies. On veut s'acheter une maison, on veut voyager, on veut... Tu ne feras jamais les mêmes types d'épargne que moi, parce qu'on n'a pas la même vie, pas les mêmes projets, etc. C'est plus sur ça qu'il faut travailler, soi-même. Sur quelque chose de personnel. Exactement. C'est merveilleux, ça, tu nous... Hein. C'est toujours soi-même... C'est une femme à écouter, hein, hein, vous les filles. Vous allez la voir, hein. On ira. Hein, on ira. Vous allez la voir, vous devez aller la voir. Et est-ce que c'est pas trop difficile de concilier sa vie de famille et sa vie de femme d'affaires? Je pense que c'est comme toute femme qui travaille, que ce soit la femme de ménage ou la chef d'entreprise. On a du temps pour tout, on essaye de tout gérer. Le pire pour moi était le jour où mon fils a dit à la maîtresse qu'une maman pour lui c'est une femme qui travaillait pour ramener de l'argent à la maison. Je vous jure qu'il avait 4 ans, ça m'a fait de la peine, mais en même temps... Je suis désolée, ça lui apprend aussi les réalités de la vie, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les femmes travaillent pour pouvoir aider l'homme à avoir une vie de famille correcte le week-end quand on est avec les enfants. Donc je pense que, comme tout un chacune, ça passe, on passe par là. On passe par là, oui. Alors tout de suite, nous allons regarder le diaporama de Jorka, toutes les facettes de Lina, une femme aux multiples visages. C'est tout de suite. When I feel and I look in the mirror and know I'm there, with my hands in the air, I'm proud to say I'm real, I'm real, I'm really, really real, I'm real, I'm real, I'm really, really real, I'm real, I'm real, I'm really, really real, I'm real, I'm real, I'm really, really real. Alors là, les filles, est-ce que vous aussi, vous êtes comme Lina? Parce que Lina, elle est sexy comme je sais pas quoi. Elle fait de la moto, des sports de combat. Alors, moto, sport de combat, Marina? Moto. Moto, Vanessa? Aucun des deux. Aucun des deux. Non. Bon, Lina, je te pose pas la question, hein, puisqu'on le sait, on l'a vu. Et toi, Claire? Claire, c'est sport de combat. De 2 années de boxe thaïlandaise, 2 années de Krav Maga. Et de la moto? Absolument pas. Absolument pas. Alors, la question d'actualité que j'aimerais vous poser à toutes les deux... C'est l'affaire Hollande-Gaillet. Est-ce que c'est un défaut de sécurité ou est-ce que le photographe, puisque tu es photographe, Claire, était très fort? Lina, est-ce que tu penses que c'est un défaut de sécurité? Je pense que c'est un défaut de sécurité. Parce que si ça avait été un sniper... Catastrophique. Catastrophique. Mmh. Ouais, moi aussi je pense. Et toi, Claire? À mon sens, les services de sécurité sont très compétents et c'est peut-être le photographe qui était très bien renseigné, qui avait preuve d'observation et qui a su s'infiltrer, être là au bon moment, au bon endroit. Il a été très malin. Tu crois? Mmh. Oui, mais quand même, là normalement la sécurité, Lina, toi tu nous laisserais pas passer ça, hein? Non. Mais oui, parce que normalement, il y a quand même, on savait qu'il y allait, donc normalement, tout autour, il n'était pas très loin, la photo, elle n'est pas très loin, elle n'est pas prise de très très loin. Je n'ai pas vu la photo. Ah, c'est vrai que Claire est une femme qui ne regarde pas, tu as intérêt à regarder Canal 10, toi, maintenant. Hein. Alors, Lina, tu es très féminine, on l'a vu, et pourtant, tu fais de la moto, des sports de combat. Les garçons, ils sont impressionnés, c'est pas trop difficile? Je pense pas, non. Non? Non. J'aime ce que je fais, donc... Non, mais je veux dire, quand tu dis à un garçon, tiens, tu bois un verre avec un garçon ou tu es quelque part avec un garçon, il te demande, qu'est-ce que vous faites comme métier? Gérante d'une agence de sécurité. Ça fait quoi comme réaction? Ça impressionne. Ça impressionne, hein? Ben oui. Et tu es aussi présidente de l'association... Dankatsu, oui. Oui, alors explique-nous un petit peu. Ben, c'est une association sportive et culturelle, donc ça se trouve à Capesterre-Belleau. Puis là, il y a des petits jeunes qui sont formidables. Hein. Donc, on essaie de tout faire pour eux. Enfin, c'est vrai que j'ai différentes casquettes. Hein. Je me consacre en fait à eux. On fait pas mal de... comment dire?
On essaie de récolter pas mal de sous pour pouvoir les permettre de faire des voyages, d'aller faire des compétitions. Et ça, à Capesterre Bello. Donc, faut faire un appel, qu'on donne des sous. Justement, dimanche, on se trouve, je ne sais pas s'il faut dire. Ah, mais bien sûr qu'il faut le dire. Oui, à Super U. Grand Camp Rocade. Grand Camp Rocade. Voilà, oui. Nous serons là à partir de 8h, 8h, 13h. Oui. Et on va essayer de faire, on fera la mise en sachet. Ouais. Et c'est pour récolter un peu de sous, pour, ouais, pouvoir, pour que les jeunes puissent partir au mois de mai, ouais, en métropole, en compétition en fait. En compétition, oui. Voilà, ouais. Et c'est... ils vont amener plein de médailles. Je suis sûre qu'ils vont amener plein. Alors, tout le monde soit à Super U dimanche. À partir de 8h. À partir de 8h. Et mettre dans les sachets, c'est ça? Exactement. Et puis. Et comme ça, les gens donnent une petite voilà, pièce pour. Ce serait très bien pour les petits. C'est bien ça, c'est bien. Ouais. Alors, je voudrais te poser une question, parce que toi, c'est un boulot dur. C'est vrai que c'est difficile. Bon, il y a des moments où c'est plus simple. Est-ce que tu as déjà eu un moment où tu as eu peur dans ton boulot avec des gens qui étaient bizarres, etc.? Bon, il y en a toujours, les gens bizarres. Oui, c'est ça. Mais avoir peur, en fait, nous sommes là, on n'y pense pas, en fait. Tu ne penses pas, ouais. On n'y pense pas. Après, c'est toujours après. Après, tu dis zut, oui. On dit, oh là là, mon Dieu. Mais sur le coup, on n'y pense pas du tout. Ouais. Donc, il faut... En plus, on fait de la prévention. Donc, on fait de la prévention. On n'est pas là pour se bannir quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'on essaie de pallier le plus que possible pour que tout se passe bien, en fait. Tout à fait, oui. Voilà. Donc, voilà, ça se passe en général bien. Bien, ça se passe en général bien. Ça se passe bien. Ouais. Voilà. Et à quoi tu penses quand... Je sais qu'il y avait un truc génial. J'avais quelqu'un de la sécurité. Quand son téléphone sonnait, c'était des insultes. Je ne le dirais pas à la télé, mais c'était des insultes monstrueuses. Et je lui disais, mais il est horrible votre téléphone. Il me disait, oui, ça me calme, parce que là, j'ai quelqu'un qui m'insulte de sonnerie de téléphone et je dois rester zen et je réponds. Alors, toi, à quoi tu penses? À rien. À rien? T'as rien pour te calmer? C'est inné. C'est inné? Non. C'est vrai? Non. Je suis calme en général. Oui, toi, t'es très calme. Je suis très calme. Alors, est-ce que t'as quand même des trucs fous à nous raconter, des histoires incroyables? Salon de la beauté. Ah, qu'est-ce qu'il y a au salon? Vas-y. Ben, en fait, l'an dernier, il y a eu un souci avec une personne au salon. Et elle voulait, en fait, elle voulait un stand. Voilà. Elle voulait se mettre à un endroit où il ne fallait pas. Où il ne fallait pas, où elle n'avait pas tout à fait. Elle n'avait pas le droit d'y être, c'était la place de quelqu'un d'autre en fait. Tout à fait. Et cette personne a fait elle a fait des choses pas possibles, elle a crié et tout. Elle voulait même se coucher par terre, elle ne voulait pas partir. elle a dit que personne ne va la faire sortir de là. Je me rappelle. Donc voilà, elle voulait faire plein de choses et tout. On m'a appelée. Oui, j'ai dit, Léna, je crois qu'il y a un problème. Et puis là, bon, ça s'est passé très, très bien, en fait, après. Mmh. Ça a été... Parce qu'en fait, moi, j'aime bien discuter. Enfin, j'aime bien écouter, ensuite discuter. Mmh. Et amener la personne à faire ce que moi, je veux. C'est ça, t'es une maligne. Donc, du coup, après, elle a gueulé. Toutes ces petites affaires, elle a été où il fallait, en fait. Où il fallait, oui. Mais gentiment, après. Oui, et c'est vrai qu'en fait, il faut quelqu'un, quand il y a quelqu'un qui s'énerve, il faut quelqu'un de très calme en face. Exactement. Et c'est vrai qu'il faut garder son calme. Il faut savoir écouter la personne, en fait. Il faut l'écouter jusqu'à ce qu'elle sorte tout ce qu'elle a sorti. Ensuite. Ah, c'est une bonne technique, ça. Oui, bien sûr. Ah oui, tu veux dire, il faut qu'elle sorte toute son énergie, son énervement. Voilà. Et ensuite, on gère. Ensuite, tu gères. Ouais. C'est vrai que tu gères très, très bien. Et alors, est-ce qu'il t'est arrivé en dehors de ton travail? Parce que bon, dans ton travail, tu es en uniforme, tu n'es pas sexy comme ce soir. Est-ce qu'il t'est arrivé déjà en dehors de ton travail d'avoir quelqu'un qui voulait t'agresser? Non. Tu leur fais peur, même... Je n'en sais rien, mais non. Non. Je n'ai pas... Non. Et alors, quel est ton plus mauvais souvenir de sécurité? Je n'en ai pas. C'est merveilleux, ça. Non, je n'en ai pas. Bon, alors, ton meilleur? Ah, salon de la beauté. Et alors, super, merci, Lina. Et alors, comment les hommes réagissent quand ils sont devant une femme qui leur dit non, vous ne pouvez pas faire ça, ou vous devez vous mettre ici, monsieur, ou etc., etc. En fait, ils sont très machos, en général. L'homme est macho. Mais après, ils réfléchissent, se disent, tiens, c'est mes filles. Oui, voilà. Et après... J'arrive à faire passer ce que j'ai envie de faire passer, en fait. Et toujours en étant très calme. Oui,
Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors, mais réfléchissent quand même. Hein. Ouais, ouais. Ils réfléchissent quand même. Ils regardent, ils analysent. Après, ça... Ça. Nickel. Ouais, parce qu'on en connaît, on en connaît qui sont particuliers parfois, des hommes. Oui. Hein, c'est vrai. Hein, on ne dira pas de nom, mais on sait bien de qui on parle. Et alors, qu'est-ce qui est plus difficile à gérer, les femmes ou les hommes? Les femmes. Ah oui, les femmes. Pourquoi? Oui. Ben, la femme, ça crie. Ça n'entend rien. Non, c'est vrai. Ça oui, tu veux dire rien. Les garçons, ils crient pas, oui. Non, ils se montrent, mais après ça, ça va tout de suite après. Ouais. Mais la femme, c'est horrible. Ah oui? Oui. Oui, parce que là, si elle crie, qu'est-ce que tu fais alors, toi? Ah, je laisse crier, moi. Je laisse crier, et puis après, ça va. Hein. Mais c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus pénibles, en fait. Les femmes sont plus pénibles que les hommes. Oui. Elles ne veulent pas, si on leur dit, vous devez aller à droite, faire ceci, faire ça. Elles n'aiment pas ça. Elles n'aiment pas. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis, oui. Non. Alors que les garçons, souvent, oui, bon, bah, ils se disent... Ils commencent, et puis après, ça, tout de suite, ça marche. Ça va. Et vous, les filles, vous trouvez que vous êtes terribles, vous aussi? Vous n'aimez pas recevoir d'ordre? On n'est pas sur ce plateau-là pour rien non plus, Valérie. Bon, et bien maintenant, nous allons voir le diaporama de Claire dans l'exercice de son métier de photographe. C'est tout de suite. Attention, bougez pas. Wow, je dis 3, wow. Vous lui arrachez tous ses vêtements. Ouais. Attention. Ou alors tu fais ça et tu fais vers ta mariée et tu fais Christelle, sur voilà ta mariée. Tu fais comme ça et l'autre main tu poses la main sur l'ange du genre ça va, tu t'amuses bien. Ouais. Attention, attention. 1, 2, 3. Don't stop me, don't stop me, don't stop me.
supersonic man out of you. Such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. Oh no no no. Fini tout, mon besoin touche frontière. Pas dis-moi non, 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 non. Ou savent que moi love de vous. L'amour sans bagaille qui tout. Faudra qu'à songer ça. Pas dis-moi non, 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 non. Tout ça ou les moins que ça bat. Sugar, des jours passés déjà bien trop long. Passe la vie à pas qu'un sens sans vous. Sa belle con new song. Mais l'amour moins, c'est pas un folie fugitive. J'ai son sentiment solide. Match est folle, j'ai moins. Fini tout, mon besoin touche frontière. Pas dis-moi non, 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 non. Vous savez que mon love de vous. L'amour sans bagaille qui tout. Faut nous rassonger ça. Pas dis-moi non. Alors les filles, comment vous trouvez les photos de Claire ? Magnifique. Bah, moi, Claire, je la connais depuis le salon du mariage. C'est vrai que tout de suite, je suis tombée amoureuse de son travail. Et au niveau de la personnalité, je lui ai déjà dit la première fois qu'on s'est rencontrés, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Vanessa. C'est vraiment du beau travail. Et c'est... moi, je dirais à Claire... Claire, c'est vrai qu'elle voit, elle fait ses photos de mariage, donc les mariés sont déjà habillés. Mais si tu as l'occasion de rencontrer les mariés avant, mm-hmm. pour un, dans un premier contact, tu peux les envoyer chez Célom pour leur mariage, pour le grand jour, et puis tout le cortège également. D'accord, mais je suis ravie que vous appréciez le travail qui est, c'est magnifique. Qui est dans le fond un hymne à l'amour. Donc forcément. Ah, c'est très beau. Et toi aussi, Lina, tu aimes ? C'est magnifique. C'est magnifique. Oui, merci. Et alors, vous, les filles, est-ce que vous aimez vous voir en photo, Marina ? Non, je pense que comme beaucoup, on n'aime pas se voir en photo, prise avec son appareil photo, etc. Maintenant, prise avec un photographe qui sait jouer avec la lumière, etc. Oui, c'est différent. C'est différent, hein. Vanessa ? Moi, j'aime pas du tout. T'aimes pas du tout ? Aussi bien prise avec un appareil personnel que chez le photographe, j'aime pas du tout. Lina ? Moi, oui. T'aimes bien, toi, hein ? Oui. Ouais. Et toi, Claire, est-ce que tu aimes te voir en photo ? Tiens, c'est une drôle de question. Alors, pour toi. J'adore. C'est vrai, j'adore. J'adore, mais en revanche, je dirais aux filles, bah, venez me voir, je vais vous faire des belles photos. C'est vrai que lorsqu'on est entre les mains d'un professionnel, c'est différent oui. des personnes de votre famille, prises avec un téléphone, etc. Ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes photographes en Guadeloupe. Il y a Evelyne Ménard, que je pense que tu connais. Mm-hmm. Il y a toi et elle. Alors, c'était avant tout un métier d'homme et peu oui. à peu, ça s'est féminisé. Il y a énormément de métiers d'hommes qui se féminisent depuis cette dernière décennie. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup en Guadeloupe. Alors, j'en connais quelques-unes. Ah, quand même, tu vois. Qui, sont au salon, d'ailleurs. Ouais. Ah, mais oui, tu as raison qu'il y en a qui sont au salon, mais bien sûr. Mais oui, Eva Jancy, Sylvia là-bas, bien sûr. Oui, tu vois, tu as raison. Toi, j'ai été perdue. Mais oui, bien sûr que je suis bête. Alors, quel est ton plus mauvais souvenir ? Toi, tu es vraiment photographe de mariage. Mm-hmm. Quel est ton plus mauvais souvenir d'un reportage comme ça de mariage ? Alors, mon plus mauvais souvenir, je vous avoue que mon bras s'en souvient encore. Alors, si vous voyez là, ça commence ici, ça se termine un peu sur la main. Je ne sais pas si ça se voit. Je faisais des photos de mariage à la pointe des châteaux. Et il y a eu une énorme rafale de vent et je suis tombée dans les rochers. Alors, oui. Alors je me suis empressée de m'habiller avec une veste. J'ai terminé la soirée et après, je suis partie penser mes plaies. Et c'était bien ouvert, c'était bien abîmé ? C'était bien abîmé, disons que je suis tombée quand même d'assez haut, les gens ont eu peur. Mais en revanche, j'étais contente, ça ne m'a pas arrêtée. Et puis,
C'est le plus mauvais souvenir. C'est le plus mauvais souvenir. Et alors, un mariage, c'est pas dur à gérer avec la famille, les mariés, les grands-mères, les mamies? C'est vrai que, en tant que photographe, la photographie de mariage, c'est la spécialité la plus difficile qui soit parce qu'il faut tout gérer, le relationnel, la famille, les mariés. Il faut gérer, maîtriser son matériel. Il faut faire preuve de créativité. Il faut gérer l'espace, la foule, la météo. Des fois, les personnes ont l'impression qu'on appuie juste sur le déclencheur. C'est vrai que oui. Absolument. Oui, parce que tu leur fais faire des pauses, pas possible. Oui, oui, mais surtout, il faut... ce que j'aime, c'est lorsque les mariés se lâchent avec moi. Il faut vraiment mettre les gens à l'aise et faire preuve d'écoute. Oui, et ça, c'est pas évident. Hein. Mm-hmm. Ouais, c'est pas évident. Hein. Ça, c'est pas évident. Alors, tu as un certificat d'état de détective privé. Alors, ça, c'est rare. C'est comme Lina, toi aussi. Lina, c'est rare, les femmes qui ont une agence de sécurité en Guadeloupe. C'est vrai. Hein, il y a pas... hein, c'est rare. C'est la rare. Seule. Je n'en connais pas d'autres. Ah, tu n'en connais pas d'autres, ouais. Oui, moi non plus, je n'en connais peut-être pas d'autres. Peut-être qu'il y en a, mais je... Il y a des femmes agents de sécurité. Ah oui, maintenant, il y en a beaucoup. Il y a des femmes agents de sécurité. Au demi début, il n'y en avait pas. Ouais. Mais j'étais la seule. T'étais la seule. Et d'ailleurs, c'est bien les femmes. Et alors, toi, détective privé... Alors, il s'agit d'un certificat d'État niveau 2. On appelle alors, ça les agents de recherche privés. C'est en 2009, j'ai effectué une formation professionnelle donc en métropole. Et par la suite de cette formation, je suis revenue. Parce qu'à la base, je souhaitais disposer de plein d'informations sur les techniques d'investigation. Et pourquoi ça? Parce que je voulais devenir journaliste d'investigation de terrain. Parce que j'avais une formation... Oui, donc tu as dit que cette formation était géniale, puisque comme ça, tu avais toutes les petites astuces, etc. Voilà, mais forcément, je trouve que le métier rentre trop dans la vie privée des gens. Et forcément, je m'en suis détournée. Parce que je voulais plutôt faire valoir des causes que des affaires. Et donc, lorsque je suis arrivée en Guadeloupe, je n'ai pas exercé. Tu n'as pas exercé. Voilà. Alors, tu es aussi à la fac de droit? Voilà, à Fouillol. Ouais. Et si tout se passe bien, parce que j'ai eu mon premier semestre là, je passe en Master 1 l'année prochaine. Génial, hein, pas mal hein, les filles. Hein, hein, c'est courageux de reprendre ses études. Ouais. Je dis, les élèves sont très agréables. Et puis forcément, je trouve qu'il y a une émulation studieuse et humaine. Et puis même, il y a toujours un âge où les femmes veulent retourner faire des études. Alors pourquoi tout ce cursus, alors justement? Je suis toujours à la recherche de... Je suis issue d'une famille d'artistes dans le spectacle. Donc à la fois le mariage pour moi ça a été quelque chose de une spécialité qui a été normale parce que c'est l'événement, l'art. Je me suis retrouvée très à l'aise dans cet univers. En revanche, j'ai toujours eu besoin de me démarquer par rapport à ma famille. Tout ce qui est judiciaire, juridique, le journalisme aussi, l'écriture, l'audiovisuel, je m'intéresse à tout. Voilà, donc je cherche encore un petit peu quelques perspectives, soit évoluer de la photographie à la vidéo, soit l'écriture, soit le journalisme encore. Alors toi Marina, est-ce que tu aurais eu envie de faire un autre métier que celui que tu fais en ce moment? Journaliste m'aurait bien plu. Journaliste c'est bien. Le côté voyage, couvrir des gros événements, etc. J'aurais bien aimé. Et toi Vanessa? Non, je m'éclate dans ce que je fais, donc... Pas un autre métier? Non, du tout. Et toi Lina? Pareil. J'aime mon métier. T'aimes ton métier. Ah, mais j'ai mon métier aussi. Hein. Il est formidable. Oui, mais c'est vrai que oui, parfois on a des envies comme ça et puis après on change. C'est vraiment le besoin de s'instruire et de devenir meilleur dans ce qu'on fait chaque jour. Ce qu'on fait, oui. Mais avocat, donc. Et avocat, c'est pour ça que tu vas m'en parler parce que toi tu aimes, tu es en admiration devant une femme. Tu vas m'en parler, Gerty Archimède. Alors vas-y, explique-moi un peu. Alors il est vrai que Maître Archimède, c'est une femme que j'admire beaucoup. C'est une grande féministe qui a été aussi guadeloupéenne. Guadeloupéenne, oui, qui a été la première femme avocate en Guadeloupe, qui a été aussi la première députée. Et pour moi, je voulais qu'elle soit la femme guadeloupéenne de l'année. Mais tu m'as dit, ce n'est pas possible. Mais je voulais quand même rendre hommage à cette femme qui est la fierté de toutes les Guadeloupéennes aujourd'hui. Super. Alors maintenant, le diaporama. Ah non, j'allais dire le diaporama de Claire. Non. Maintenant, Vanessa n'habille que les hommes. Quelle chance, Vanessa. Tout de suite, le reportage de Patrick sur un montage de Jorka. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Est-ce que vous savez quelque chose de beau pour moi, madame?
Qu'est-ce que vous recherchez, monsieur, exactement? Quelque chose qui fait habiller pour une cérémonie. Oui. Une fête particulière qui me tient à cœur. Je peux vous présenter ce modèle-ci, monsieur, si vous voulez. En taille 54. Oh, c'est stylé. Donc avec un seul bouton. Ça veut vous mettre à la place de l'homme. Je vous le fais passer. Pas de vous approcher du miroir, s'il vous plaît. Si à côté de mettre, ou une fois. Place. C'est un décontracté très chic, monsieur. Merci. Je vois que vous avez du goût. Donc la taille est bonne. Si vous attachez le bouton. Ça vous va très bien. Maintenant, si vous voulez, dans le même modèle, j'ai un autre coloris qui est un peu plus original, marron glacé comme celui-ci. C'est le même modèle, il y a juste le coloris qui diffère. Alors monsieur, justement, c'est super. Là, qu'est-ce que vous préférez comme dans les deux couleurs là? En tout cas, je préfère essayer pour après faire le choix. Oui. Apparemment, tout est beau. C'est beau ici. Ouais. Ça, c'est une couleur qui est très à la mode, je crois, Vanessa. Tout à fait. C'est très tendance. On peut dire un marron glacé. Marron glacé, oui. C'est très beau. Qui vire un peu sur le taupe, mais c'est très léger. Donc après, Vanessa, on peut faire la chemise exactement assortie à la taille de monsieur. Tout à fait. Donc aussi bien à sa taille et à son goût. C'est-à-dire qu'il peut personnaliser sa chemise et puis il la fait exactement comme lui souhaite. Il choisit son col, il choisit ses poignets. Donc là, on fera plutôt un col un peu mao. Qu'est-ce qu'on choisirait? Il peut porter les deux types de cols, ou le col italien ouvert ou un col un peu mao. Tout dépend si monsieur vous portez avec la cravate. J'aimerais porter aussi avec la cravate. Je pense que ça va faire très beau. Donc une chemise rose ou une chemise bleue. Après, si vous voulez rester dans les tons classiques, ben le beige. Donc col italien ouvert ou le col mao, ou le col pardon. Le col non, le col anglais pour la cravate. Qu'est-ce qu'on appelle le col anglais? Parce que là, on en a plein derrière là de col. Alors le col anglais, c'est celui-ci. Ah, c'est très chic pour mariage, cérémonie. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Vous avez celui-ci qui est boutonné, mais bon, avec ce type de costume, ça n'ira pas trop. Non, ça n'ira pas, oui. Ou éventuellement, ce qui revient beaucoup, c'est le col dandy. Ah, qui est un petit col, oui. Donc c'est un col qu'on pourrait appeler chez la femme le col Claudine. Et ça donne un côté très chic, en fait, à l'homme. Tout à fait. Et les autres cols, ça s'appelle comment? Donc ici, vous avez tous les types de cols italiens, ouverts et un peu moins ouverts. Et donc les poignées simples avec le bouton, les poignées avec deux boutons, les poignées simples avec le revers. Et à chaque client... fois, vous pouvez le personnaliser avec le monogramme de la personne. Tout à fait. Donc, il peut le mettre ou au niveau de la deuxième poche, du deuxième bouton, ou au niveau du quatrième bouton, tout en bas de sa chemise, au niveau des poignets, au niveau du col. C'est vraiment à la convenance du client, comme lui le souhaite, vraiment. Comme lui le souhaite. Voilà. Super. Il choisit ses couleurs, il choisit sa petite fantaisie. Et puis nous, on réalise sa chemise personnalisée qu'il ne trouvera nulle part d'autre. Évidemment. Alors après, il peut aussi... Bon, monsieur est très chic, très élégant, mais on peut choisir quelque chose de beaucoup plus sport. La veste bleue, là, elle est géniale. Oui, vous l'aviez vu? Vous l'avez repéré aussi. C'est extraordinaire. Ah, ça, c'est beau, ça. Vous l'avez vraiment essayé? Ah oui, et elle se porte avec un jean black. Tout à fait. Et ensuite, vous pouvez aussi également les porter dissociés. Vous n'êtes pas obligé de porter l'ensemble. Ah, parce que les poches sont en jean black. Voilà. Ah, c'est super. C'est rockstar. Là, vous êtes une rockstar. Ici, on fait rendre. Ah, tout à fait, tout à fait. Ah, oui. Ça, c'est super. Merci, Vanessa. Je vous en prie, au plaisir. Bon, et ben maintenant, on va voir ce que ça donne, parce que monsieur va nous essayer un super costume. Tout à fait, et puis le but, c'est que monsieur puisse également repartir satisfait et avec un costume et qu'il se sente mis en valeur et qu'il se sente valorisé par rapport à son état et son statut d'homme. Tout à fait, tout à fait. Et bien super, alors tout de suite, on va voir le résultat. Ah oui. Ah, il est beau, hein? Ah oui. On parle de quoi, Vanessa? Du costume ou de l'homme? Je dirais les deux. Oui, les deux. Hein, les deux. Ah oui, superbe, superbe. Donc, quand on vient chez vous, on ressort toujours beau comme ça? Tout à fait. Ah oui, tout c'est à super. Fait. L'homme repart avec tout son équipement,
pour être un homme élégant et se sentir bien dans son vêtement. J'aime bien l'association des deux couleurs parce que là, c'est un gris un peu grisé. Un peu taupe, oui, tout à fait. Avec le violet, c'est très beau ça. Il y a juste un petit détail, si vous permettez, monsieur. Hop. Ah oui, voilà. Là, là, voilà, là, c'est la perfection. Voilà. La perfection masculine. Tout à fait. Ah, c'est très beau, ça. C'est très, très beau. Et j'aime beaucoup donc, la chemise sur mesure. Donc, même si un homme a des grands bras, voilà, on voit sa chemise, parce que souvent, c'est un problème. Tout à fait. Donc, lorsque le client vient, une fois qu'il a choisi ses tissus et qu'on a terminé toute la partie technique, moi, je prends les mesures. Donc, ensuite, que j'envoie directement au manufacturier qui va fabriquer la chemise. Exactement à la taille. Exactement. Et là, à le la col, taille. Il est amusant. C'est un, ça, je ne connais pas ce col-là. C'est un col. C'est un col dandy. C'est beau ça. Donc, c'est un peu tendance. Ça revient tendance. Tendance, oui. Voilà. Et donc, ça donne un côté très chic et très classe à l'autre. Tout à fait, tout à fait. Ah oui, c'est très, très tout beau. En étant original. C'est ça, je trouve, c'est bien. Voilà. Oui. Et donc, monsieur a également donc, les initiales sur sa chemise. Donc, ici, un peu en blanc. Oui, d'accord, donc les initiales de monsieur. Voilà. Et on peut le mettre où on veut. Où on veut. Donc là, c'est au niveau du quatrième bouton. Oui. Mais on peut également le mettre sur le poignet, on peut le mettre plus bas, on peut le mettre sur le col. Très joli, ça. Ouais. Très raffiné. Très raffiné. Oui, très raffiné. Bon, bah écoutez, c'est l'homme, c'est merveilleux. C'est la boutique qui habille l'homme, oui, et qui... Et qui rend les hommes beaux. Qui rend les hommes beaux. Et surtout... Surtout les... Élégants. Élégants, tout à fait. Élégants. Oui, mais beau, élégant, ça, c'est vrai que dès qu'on est élégant, on devient beau tout de suite. C'est vrai que ça, c'est super chez les hommes, c'est vrai. Un homme, c'est différent d'une femme. Il faut qu'il soit toujours élégant, je trouve. Mais malheureusement, ils ne le sont pas. C'est vrai. Parce qu'on se laisse beaucoup aller. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'imprendre à l'homme l'art de s'habiller. De lui redonner cette envie de s'habiller et de se mettre en valeur. Alors Vanessa, quelle est ta cible d'homme ? Donc, je vise idéalement les hommes d'affaires, les chefs d'entreprise, et puis tous les jeunes cadres qui sortent d'école, qui ne savent pas forcément comment s'habiller pour se présenter, donc pour les premiers entretiens. Mais je ne me ferme pas uniquement à ce type de personnes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, j'ai un rayon cérémonie, où les hommes, les futurs mariés et leur cortège peuvent se présenter pour qu'on puisse donc les habiller pour le grand jour. Donc en fin de compte, c'est un peu aussi du coaching, quand un jeune garçon arrive et qui dit « voilà, c'est mon premier emploi, comment je dois m'habiller ?» Tu les aides. Tout à fait, d'autant qu'ils sont assez fermés, c'est-à-dire qu'en général, quand le client entre ici, il est assez fermé dans le sens où il se dit « on ne va pas porter la veste, on ne va pas porter la cravate ». Et moi, mon objectif, c'est de le faire essayer pour qu'il puisse apprécier et se sentir à l'aise dans son vêtement et partir avec. Super, et ben merci Vanessa. À bientôt. Ça doit être merveilleux, Vanessa. T'as que des garçons toute la journée, il y en a des beaux ? J'ai pas que des garçons toute la journée. Ah bon ? Non. Il y a des femmes aussi qui achètent ? Tout à fait. Parce que je propose de la chemise sur mesure pour hommes, mais je propose également la chemise sur mesure pour les femmes. Ça, c'est intéressant. Ah, ça, c'est super. Ah, ça, c'est très intéressant. Ah oui. Parce que c'est vrai qu'il y a, oui, une histoire de longueur, de col. Ça, c'est assez génial. Parce qu'en vrai, dans ta boutique, on peut tout choisir. Tout à fait. Donc ça, c'est pour la partie sur mesure. C'est-à-dire que... souvent, malheureusement, quand on va dans le prêt-à-porter, on a toujours un problème de longueur de manche ou la carrure qui ne va pas. Donc il même quand on est une fille, parfois, parce que c'est vrai, il y a parfois des histoires de... Ça va pas du tout. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles ? Moi, je suis tout à fait d'accord, parce qu'effectivement, quand on achète des chemises, on l'a vu ensemble, parfois les boutons ont tendance à s'ouvrir au niveau de la poitrine et c'est pas du tout l'image qu'on a envie de donner. On a un très beau chemisier qui tombe bien, mais qui ne va pas à ce niveau-là. Donc je serais ravie, moi aussi, de venir voir ma voisine dans peu de temps pour effectivement... Parce qu'on peut tout choisir chez toi. Donc on choisit tout. C'est-à-dire, donc, dans la partie sur mesure, on choisit tout ce qui est tissu. Donc le client s'installe tranquillement. J'ai trois classeurs de tissu. Il regarde également quel type de col il veut. Donc c'est vrai que... Pour le moment, je suis, entre guillemets, confrontée à une clientèle qui reste assez classique. Ils craignent un peu l'exubérance et la fantaisie. Donc, on choisit le col, on choisit les poignets. Et dans la personnalisation, si vous voulez que votre col soit différent du reste de la chemise, si vous voulez que les poignets soient différents, si vous voulez mettre des initiales, admettons que vous avez une chemise rouge et puis vous avez envie de mettre des boutons jaune fluo, c'est vraiment possible. À votre convenance. Là, je fais vraiment appel à toute la créativité parce qu'on a tous une partie créative. Tout à fait. Et donc, les hommes peuvent venir créer leur propre chemise,
Et l'avantage, c'est que cette chemise tiendra sur leur corps. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas avalés par la chemise. Tout à fait, ça c'est bien, ça, ça c'est vrai. Alors, il y a les cols différents, explique-nous, parce que maintenant, il y a les cols italiens, les cols... Voilà, donc celui qui se fait le plus, hein, ça reste le col italien ouvert. Qui est le petit col. Qui est le col légèrement ouvert. Ouais. Sans les boutons. Ouais. Et il y a également le col italien très ouvert, qui est plus large, donc on fait avec un double nœud de cravate. On a les cols boutonnés. Donc, on porte sans cravate. Les boutons peuvent être cachés ou peuvent être visibles. Et puis, on a les cols anglais. Donc, avec les deux petits boutons qu'on peut ajuster, on a le... Oui, c'est fou. Le col Gandhi. Dandy ? Dandy, pardon. Oui. Le col Dandy est... qui est un peu haut. Qui est un peu haut et qui est rond. On pourrait l'associer au col Claudine pour les femmes. Tout à fait, oui. Donc, ça, pour le moment, ça n'a pas trouvé encore écho chez l'homme guadeloupéen. Mais je vais en faire venir quelques-unes pour que les hommes puissent voir en fait, le côté élégant que cette chemise peut apporter. Bien sûr, bien sûr. Et pourquoi avoir choisi ce métier ? Je dirais que je suis tombée dedans par hasard, bien que je ne pense pas qu'il y ait de hasard dans la vie. Non, c'est vrai. Donc, j'ai commencé gentiment aux Galeries Lafayette en faisant les paquets cadeaux à la période de Noël. Et puis, la société Ralph Lauren m'a proposé un poste. Et j'ai commencé d'évoluer. Donc, j'ai commencé au bas de l'échelle comme une vendeuse. Et j'ai terminé responsable achat au Bon Marché à Paris. Ah oui, qui est un super magasin, super chicos. Tout à fait. Alors, les garçons, ils sont comment quand ils achètent ? Ils sont... incertains. Incertains ? Tout à fait. Ah oui ? Alors, il y en a qui arrivent, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Et d'autres, ils ne savent pas du tout parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de porter la chemise. Oui. Donc, c'est vrai qu'ici, le climat fait qu'on porte plus facilement le polo, le t-shirt et puis qu'on soit un peu décontracté. Même quand je vais à la banque, je vois mon banquier, il ne porte pas de veste, il ne porte pas de cravate. C'est vrai. Et ben, c'est une image qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en métropole. Et l'idée, ce serait que, en fait, l'homme ne pense pas que s'habiller est une contrainte. Mais qui se sentent valorisés par son habit. Par son habit. Tout à fait. Mais il faut avoir aussi des choses très belles, de très belle qualité. Tout à fait. Et donc, c'est l'avantage également, parce que souvent, quand on va parler de sur-mesure et de personnalisation, je pense que les clients sont tout de suite effrayés par rapport au prix. Mais les chemises que je propose, donc en sur-mesure, ce sont des chemises qui sont au prix de prêt-à-porter de luxe. De luxe, oui, c'est ça, bien sûr. Tout évidemment. À fait, donc ce ne sera pas... Et tu fais aussi des costumes pour les mariages, les cortèges. Tout à fait, donc je fais des costumes pour les mariages. Pour le moment, hein, c'est pas trop j'ai l'impression que ce n'est pas trop la période encore. Ah non, c'est juillet, août et décembre. C'est vrai que là, les mariages, c'est juillet, août et décembre. Oui. Mais j'ai beaucoup de clients qui passent simplement pour voir un peu. Et puis, je compte beaucoup sur le salon du mariage pour avoir des retombées positives. Super. Alors, les filles, comment vous les aimez habiller, les hommes ? Claire, comment tu aimes les hommes habillés ? Comment tu aimes qu'ils s'habillent ? J'aime quand les hommes s'habillent en adéquation avec leur caractère, que ça soit authentique, ça les représente. Mmh. Voilà, si un homme cultivé, il s'habille un peu bobo, BCBG, ça lui correspond. Ce que je n'aime pas, c'est quand il y a trop de différence entre le look et le caractère. Ah, tu veux que l'habit fasse le moine, toi ? Il est sportif, il est en sportif. Ce que j'aimerais, c'est que le charisme corresponde au tempérament. Mmh. Voilà. Parce que je sais qu'il dégage quelque chose, qu'il n'y ait pas de différence entre le look et le caractère. Vous voyez ? Qu'il y ait une sorte d'harmonie. Voilà. Oh, c'est compliqué, mais ça. Peu importe la manière dont il s'habille, du moment que ça lui correspond. Ça lui correspond. Et toi, Lina ? Moi, classe. Pas trop, mais classe. Classe. Pas trop. Pas trop, une belle chemise, un beau pantalon, des belles chaussures. Voilà. Ah, oui. Moi aussi, je trouve que c'est bon. C'est magnifique, ça. Parce qu'on voit un homme qui est bien habillé, belle chemise... Super. Et toi, Marina ? Alors moi, j'aime autant voir mon homme très classe, très beau, etc. Autant quand il est dans le jardin ou les mains dans le cambouis, ça ne me dérange pas. Ça, c'est parce que t'es amoureuse, toi. Ah, c'est l'amour, ça, c'est l'amour. Alors, est-ce que t'as eu des demandes complètement folles, là, de chemises, de choses particulières, parce que comme tu fais du sur-mesure ? Pas pour le moment. Non ? Pour le moment, on est vraiment très soft, c'est-à-dire la chemise blanche, la chemise noire... Ah oui, ils veulent ça ? Ils veulent... Ils sont très classiques. Très, très classiques. Mais il y a des femmes quand même. Les femmes achètent pour leur chérie, non ? Ben, en fait, pour elles, c'est un peu compliqué parce qu'elles souhaitent quand même garder le côté cadeau. Mais la personne doit venir pour prendre ses mesures. Ça,
C'est ça, oui. Et y a-t-il des bons cadeaux éventuellement? Ça arrive. D'accord. Ça arrive. C'est-à-dire? Notamment là pour la Saint-Valentin, on y travaille. Ah oui, des jolies choses. Bon, t'as les cravates, t'as des choses comme ça, t'as les costumes, les chemises. Oui. Puis même sur du sur-mesure, si je veux offrir par exemple un bon pour mon mari, il peut très bien venir faire les essais après la Saint-Valentin, mais le cadeau a été déjà validé en amont. Le cadeau a été validé, il faut qu'il vienne donc, il n'aura pas à payer. Il vient juste, il récupère simplement pour ses mesures. Et puis moi, je gère par la suite. Et puis 3 semaines après, il reçoit sa chemise à la maison. C'est bien ça, les filles. Pensez hein, pour la Saint-Valentin. Je vais y penser, moi. C'est bien ça. Et alors donc, en fin de compte, oui, tu as tout style d'homme. C'est des jeunes, des plus âgés, des... Toi, tu as envie de l'homme d'affaires. Pas particulièrement, mais c'est vrai que par rapport à ce que je propose, le jeune étudiant ne va pas forcément trouver son compte. Mmh. C'est la première embauche, comme tu disais tout à l'heure, dans le reportage. Oui. C'est le garçon qui se dit, bon, allez, j'arrête de mettre mes baskets, mon jean, mon polo, j'essaye de me présenter bien, il vient chez toi. Tout à fait. Donc là, c'est vrai qu'ils t'attendent un peu. Ouais. Donc il faut rester attentive et puis surtout ne pas bousculer la personne et puis apporter les bons conseils. Oui. Parce qu'il y a des... l'accompagner surtout, parce que pour eux, c'est souvent des grands changements. Il faut être capable de les accompagner dans cette mutation. Et alors, les hommes n'ont pas de goût, je veux dire, ils ne savent pas ce qui leur va. Ça fait rire. Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas de goût. Mais qu'ils ne savent pas ce qui leur vont bien. Voilà. Ou qu'ils ont besoin de regarder une femme. Voilà. Ils prennent toujours trop grand. Tout est trop large. C'est vrai ce que tu dis. Mais complètement. C'est vrai ce que tu dis, ils prennent toujours trop grand. Oui. Oui. Et pourquoi, tu crois? Je leur ai demandé. Oui. J'ai eu à poser la question à un client cette semaine parce que j'étais persuadée que la chemise qu'il me demandait n'allait pas lui aller parce que la taille ne correspondait pas. Et il a voulu, donc je l'ai laissé essayer parce qu'il ne faut pas le contrarier. Oui, oui. Donc il essaye et je vois que la chemise l'avale complètement. Mais pour lui... C'est marrant en fait, quand tu dis ça, la chemise l'avale. Oui, ça veut dire que c'est une façon de se cacher. C'est comme s'il se cachait derrière ce vêtement et qu'il ne s'assumait pas. Ah, c'est marrant ce que tu dis, oui. Et pourquoi plus grand? Parce qu'il se prend. Peut-être qu'il y avait des rondeurs, en fait, quelque chose à cacher. Pas du tout. Non, il n'avait rien à cacher. Il n'avait rien du tout à cacher. Quelques boulets par-ci par-là. Pardon? Quelques boulets par-ci par-là. Non, il n'y en avait pas. Oui, parce que souvent, on prend un peu large pour cacher. Non, il n'y en avait pas. Et ils font tous ça. Ils font tous ça. C'est drôle, ça. Et ils n'aiment pas les chemises de couleur aussi non plus. Hein. Ils veulent toujours blanche ou. Ça dépend de la clientèle. Ouais. Ça dépend. Moi, c'est vrai que je reste quand même... J'ai une proposition de prêt-à-porter qui reste très classique, c'est-à-dire blanc, bleu, l'araignée bleu, et puis un peu de noir. Ça reste très classique. Mais même pour les personnes qui font du sur-mesure, ils restent dans ces tons-là. Oui, c'est drôle. Hein. Bon, eh bien, là, c'est l'heure. Donc maintenant, nous allons avoir le monde merveilleux de la pub où rien ne coûte cher et tout est beau. C'est tout de suite.